formation conseil en style et en image vous forme en un an à maîtriser différentes compétences par des mises en situation concrètes. D'une durée de 500 heures, suivie d'un stage de 4 mois en entreprise, vous serez formé à offrir à vos futurs clients plus que de simples relooking. L'objectif est de contribuer et construire l'image d'un individu par le style. Cette formation est accessible après un bac plus 1 et vous avez la chance d'être entouré d'un large jury de professionnels en activité qui vient vérifier, valider votre formation et vous aider à vous insérer professionnellement. J'ai travaillé dans le prêt-à-porter pendant plus de 2 ans et c'est justement là que m'est venu le véritable goût pour la mode. J'attends plus des connaissances plus poussées dans ce domaine-là et des connaissances plus globales dans toutes sortes de domaines qui ont rapport avec la mode, le conseil en image, le personal shopping, etc. J'attends de rencontrer des personnes qui justement partagent la même passion que moi et qui peuvent justement m'aider justement à me développer et me faire peut-être même un nom dans ce domaine. Je travaille dans une agence créative, on crée des événements, des contenus et des idées pour des marques. Moi je suis styliste mais spécialisée personnelle shoppeuse, j'ai mes propres clientes, on est une petite start-up et on s'occupe de nos clientes pour les aider à s'habiller. Quand on rencontre des gens de Chardon-Savard à l'extérieur et qu'on leur dit « je viens de Chardon-Savard », on sent ce côté très famille, très « ah mais si tu viens de Chardon-Savard, je vais t'aider, on va faire ça, est-ce que tu veux faire ça ?» C'est pas rien sur un CV, je pense. Et sur un CV, même dans une discussion, on se rend compte qu'on a des points communs. C'est une école qui englobe beaucoup de métiers de la mode différents aujourd'hui et qui permet justement de se retrouver tous ensemble un peu plus tard et c'est cool. Je me suis toujours sentie très à l'aise ici, écoutée et... Il n'y a pas le côté pression qu'on peut avoir dans d'autres écoles, moi je l'ai vraiment ressenti comme ça. On se rend compte aujourd'hui que le réseau, ça fait tout. Donc c'est cool de justement rencontrer des professionnels, des élèves, des profs qui font des nouveaux trucs aussi. On update un peu tout, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, on suit sur les réseaux, etc. Et puis on sait toujours qu'un jour ça nous servira. Plaisir, ça va être très drôle notre interview. Les cours que je leur donne, c'est des cours de Photoshop, montage Photoshop, vidéo, montage audio, du WordPress évidemment, création de sites internet avec ce que ça implique, les réseaux sociaux, le référencement. Ah, la classe de conseil en style, elle est un peu spéciale parce que ça dure un an. Il y a des gens un peu en reconversion, il y a des gens qui découvrent un peu le métier et il y a des gens un peu qui ne savent pas trop où ils veulent aller et ça se positionne de mieux en mieux au fur et à mesure que l'année passe. Et cet afterwork a pour but un peu de les présenter à un petit microcosme, peut-être eux un premier contact avec le monde professionnel.